trois choses que tu dois absolument éviter au Mexique. Vamos. Quand tu arrives à l'aéroport de Cancun, à la sortie, il y a ce qu'on appelle des taxis pirates. Alors, ils te repèrent de loin, ils viennent te voir que tu es réglé déjà pour un transport ou pas. Ils vont te dire que c'est eux, ton transport officiel. Ils vont t'emmener jusqu'à ton hôtel, jusque-là, pas de problème. À ce moment-là, même si tu as déjà payé pour ton transfert, ils vont te dire que tu dois absolument régler en espèces maintenant et que la réception va te rembourser. Donc, ils vont te faire un petit papier, évidemment faux. Finalement, la réception et ton hôtel ne te remboursera jamais. Et c'est comme ça que tu te fais avoir si tu as besoin de taxi. Contacte-moi. Quand tu arrives au Mexique et que tu loues une voiture, que tu stationnes mal ou que tu restes quelques minutes dans un endroit où tu n'as pas le droit de stationner, la police vient et elle t'enlève la plaque d'immatriculation et il faut que tu ailles régler l'amende directement au poste de police. Si tu te fais arrêter et qu'ils inventent que tu as commis une infraction ou peu importe sur la route et qu'ils veulent en fait te soutirer de l'argent, tu leur demandes de te donner le papier qui prouve que tu as commis une infraction pour pouvoir régler ça en ligne. Alors, tu ne parles pas français ou une autre langue qu'ils comprennent pas. Tu fais genre que tu comprends pas l'espagnol, à moins qu'ils sortent un trafic là. Bon courage.